Boum. Oh. After, boom. After finish. No. No, down. Speak French. Yes, I'm French. French too. Really was. But I'm not French, but I can speak French. Really was, ah, that's great. Français. C'est vrai, c'est vrai. Oh, ouais, mais pourquoi tu parles français? Bah parce que en fait, mon père il est ivoirien, ma mère est suédoise. Oh, c'est vrai, hein, c'est marrant. Donc en Côte d'Ivoire, on parle français. Ouais, je sais la Côte d'Ivoire. Et ça fait combien de temps tu t'entraînes en fait? Moi, ça fait longtemps, 7 ans. 7 ans ouais, et t'es depuis plus, 7... Non, pas 7 ans. Ça fait plus de 10 ans que je boxe. Et par contre, la boxe anglaise Thaïlande... hein. Non, Thaï. La boxe Thaï. Là, ça fait 3-4 ans. Ah, ça fait pardon, 7 ans que je suis en Thaïlande environ, tu vois. 7 ans que tu es en Thaïlande. Aller-retour, tout ça. Tu vois. Et tu avais commencé où au début Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Après, un peu France, j'ai fait un peu mes études. Et après, t'étais, t'étais où en France J'ai été à Rennes et à Toulouse. Oh. Et après, à Paris un peu. Ah, c'est sympa Toulouse. Hein. Ouais, à Rennes, je connais moi. Maintenant, si on veut aller dans le vif du sujet sur le combat, oui. Bah, ça allait le premier round. On était bien rentré en matière, j'avais déjà boxé. Ouais. Même si niveau de l'estomac, c'est pas trop bien, j'arrive à maîtriser. Ouais. Parce que la nourriture, ça m'a fait ça la dernière fois aussi. Ah ouais, c'est dur. Hein. Et sinon, après, il m'a mis un coup dans, ouais, j'ai vu, ouais. dans les couilles. Ouais, j'ai vu, ouais. Je voulais arrêter, mais j'ai pensé, parce que j'aime bien le staff, je connais tout le monde ici, j'aime bien travailler avec eux. Ouais. J'ai dit, vas-y, je vais continuer. Un peu aussi. Il a envoyé un genou. Ouais, il a envoyé un genou. Et moi, au début, je voulais arrêter. Ouais. Mais j'ai pensé que c'est mieux qu'on continue le show. Ouais, j'ai vu. Et après, j'ai dû boxer intelligemment. Ouais. J'ai lancé je voyais, de toute façon, tu avais l'avantage de la taille. Donc, tu arrivais à le garder un peu voilà, à distance. À distance avec les kicks et tout. C'est ça. Ouais. Et après, j'ai dû commencer parce que. Il a rentré un point dans mon nez. Ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est dans tout le match. Ouais, j'ai vu ça, au début. Voilà. Hein. À part... À part ça, en fait, j'ai eu plusieurs bons shots, tu vois. Ouais. Même après la. Ouais, j'ai vu. Le truc, il est monté là. J'ai ouais, senti tu la galette. Peux plus, tu peux Donc, plus. Donc là, j'ai deux solutions. Ouais. Soit je galette sur le ring devant tout le monde. Ouais. Et les connaissants, ils vont me mettre perdant. Ouais. Soit je galette dehors. Donc j'ai galéré dehors, mais je l'ai signalé. Ouais, d'accord. Ouais, mais c'est bien, t'es quand même très courageux. Le problème, c'est qu'un gars comme Cosmo, par exemple, qui lui est une star, quand il a reçu son coup dans les couilles, qui était aussi violent que le mien, voilà, et moi j'ai continué, ils ont retiré un point. Ouais, et moi, ils n'ont pas retiré un point. C'est ça, c'est ça. Mais je pense que c'est le problème aussi, peut-être des combats en Chine, enfin, je veux pas. Voilà. Non, c'est mais il y a beaucoup d'irrégularités. Il y a des irrégularités. Voilà. Et aussi, le truc, c'est que Cosmo, mais c'est la Chine, quoi, il a boxé un étranger. Ouais, voilà, si c'était un chinois, c'est ça. Vous allez couper. C'est ça. Exactement. Rien voilà. J'ai rien faire c'est du tout. C'est ça. Ouais. Si ça s'appelle Cosmo ou comment, ils allaient rien faire du tout. Donc c'est juste ça, quoi. Mais à part ça, bon, ça va. C'est pas grave, je reboxe le 27 là. En Chine encore ? Non. J'ai pas l'habitude de boxer en Thaïlande parce que les primes sont plus petites. Ouais, c'est plus petit. Mais là, c'est pour une ceinture mondiale. C'est vrai. Hein. Donc, Inch'Allah, ça va marcher, tu vois. D'accord. Je suis pas blessé. Ah, t'es musulman. Ouais. Je suis pas blessé. Pas... C'est bien. Déjà, c'est l'important, c'est le plus important. Pas blessé. C'est vrai que c'était un combat courageux, quoi. Ouais, donc, félicitations. Je pense que les gens, ils ont bien aimé, quand même. Ah ouais, bah... Je sens encore, même là, jusqu'à... avant là. C'est abusé. Ouais. Ça arrivait beaucoup aujourd'hui dans les coups. Ouais. Ce qui m'a semblé aussi, c'est qu'il y avait une différence de niveau quand c'était un combattant chinois contre un combattant étranger. Ouais, voilà. Et il y avait vraiment, comme on dit en anglais, mismatch. Tu voilà. vois, c'est, mais, franchement, mais là pour vous, ça allait. Voilà. Nous, on est du même niveau. C'est mon frère. Send good luck from China. Yes. Chancha, let's start slowly, fight sometimes. It's not about money, fight just for fun. Not like professional fighters. We study, have some time. Why not go fight? Il y avait ça, et puis après, ce que j'ai vu, ouais, les irrégularités, quoi. Voilà, il y a trop d'irrégularités, tu vois. C'est ça. Trop d'irrégularités. Moi, en plus, avant, ils étaient vraiment très, très à cheval sur les règles. Sur les règles, et de moins en moins, en fait. Ce que j'ai remarqué, depuis que ça arrive sur la télé nationale chinoise, moins. Beaucoup moins, tu vois. Après, forcément. Il faut gagner un gars... Mais c'était un peu compliqué aussi, parce que je sais pas quel est son... Ici, il y avait des combats de MMA,
Il y avait des combats de boxe thaï. C'est comme ça les gros gars là. Et donc du coup, il y a même des combattants, moi je discutais avec eux, et ben eux en fait ils sont habitués à la boxe au MMA puis ils se retrouvent faire un truc de boxe où il y a des règles où c'est pas du tout la même chose. Même la boxe anglaise et la boxe thaï, c'est pas pareil. C'est leur choix, tu vois. Ouais, c'est leur choix, mais après je veux dire que c'est vrai que c'est peut-être pas. Après il y a l'instinct quoi peut-être aussi qui prend le dessus quand t'es dans. Je sais pas. T'acceptes les règles. T'acceptes, tu vois. Ouais, c'est sûr. Le truc c'est que là il y avait rien à accepter. Il m'a mis le coup dans les couilles, moi. C'est sûr. Moi, actuellement là, j'ai mal. Ouais, je comprends. Et le truc, c'est que c'est même pas une blessure de. Comment on peut dire une blessure de guerre, tu vois. C'est une blessure. Irrégularité. Il a mis un genou comme ça. Quand j'ai levé ma tête sur le ralenti. Ouais, j'ai vu. Hein. On a vu le ralenti. Ouais, regardé le ralenti. Bah, les gens, ils... J'ai regardé le. Je crois que j'ai eu plus mal en regardant le ralenti que. Regarde, elle a dit, je dis, je vais pas repartir. Ah ouais, c'est et après, ça, j'ai c'est pensé, ça. J'ai dit, ah ouais, le gym, ils vont me. Si j'arrête comme ça, ils vont dire, oui, non. Ah, t'as pas continué, T'as pas continué. C'est ça, c'est ça. C'est grave. Ah ouais. C'est la vie. Je comprends. Tu vas rentrer. Ouais, tu vois, ça va, tu sais. Au pire, on va se boxer encore. Ah, d'accord. Ils sont là. Bon, bah, et si les gens veulent te suivre, en fait, t'as un. Oui, Facebook, Karl Daoud Ndiaye. Karl Daoud, d'accord. Karl Daoud Ndiaye. D'accord. Avec... Ça marche. Bah, merci pour tout, hein. Ouais, pas de soucis.